Funnel Leads, le nouveau livre de Russell Brunson qui vaut seulement 6 euros, le prix d'un Starbucks. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Si c'est la première fois sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de lâcher un petit like, de t'abonner et d'activer les notifications avec la petite cloche si tu es intéressé par tout ce qui est marketing, marketing d'affiliation principalement. Donc Russell Brunson, le créateur de ClickFunnels, vient de sortir un tout nouveau livre et franchement, je vais te donner vraiment toute mon opinion autour de tout ça, mais surtout, je vais te montrer concrètement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important pour que tu puisses faire le choix est-ce que tu dois investir ou pas ton argent dans ce livre. Il faut savoir tout de suite que c'est un livre numérique, pas du tout un livre papier comme on a pu avoir précédemment. Là, il y a une vraie zone membre avec potentiellement des vidéos si tu prends le bump, etc., etc. Il faut bien comprendre que si tu passes par le lien qui est juste en dessous de moi, c'est un lien d'affiliation. Le jour où je tourne cette vidéo, que tu prennes les upsells, etc., ça ne change absolument pas ma com, ce qui permet aussi moi d'être complètement authentique. Je ne gagne pas plus d'argent si tu prends les upsells, etc. Je gagne uniquement de l'argent si tu prends le livre qui, à mon sens, vaut le coup, mais on va découvrir ça ensemble. Donc, on va aller sur mon ordinateur. Donc, sur mon ordinateur, si tu arrives, tu vas arriver sur cette page de vente. Juste, je te conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle est assez géniale. Même si c'est en anglais, tu vas vite te rendre compte que dessiner une belle page de vente, il n'y a pas besoin d'être un expert du graphisme. Par contre, on se rend compte qu'il y a un espèce d'argument de vente assez intéressant. Et c'est ce que je te conseille de voir. D'ailleurs, je pense que la majorité des personnes vont jamais la lire complètement. Mais il y a des informations tout de suite que tu peux comprendre de ce qu'il va avoir dans le bouquin. Entre autres, l'analyse complète de cette page de capture, en fait, de ce système de capture qui a deux pages. Et eux, chez ClickFunnels, ça a généré plus de 185 000 emails contacts dans leur base de données. Et ça, c'est assez impressionnant. Et ça, il t'explique vraiment comment ils ont rédigé les headlines, comment ils ont vraiment rédigé tout l'ensemble, etc., pour qu'il y ait autant de personnes qui s'inscrivent. Ce qui est bien dans ce bouquin, et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, c'est un vrai bouquin. C'est pas un e-book de 3 pages. Il y a précisément 172 pages. Donc là, je vais te rentrer directement. Donc, tu vas voir la qualité du contenu. Donc, il y a toute une première partie qui est un espèce de premier chapitre où c'est principalement les concepts. Qu'est-ce qu'une page de capture? Qu'est-ce qu'un leads? Pourquoi on doit tous avoir un tunnel de capture au minimum pour développer son entreprise? Il faut bien comprendre que avoir une base de données de prospects potentiels, donc généralement, c'est des emails, c'est essentiel dans la croissance de ton activité, de ton business. Et c'est exactement pour ça que Russell Brunson a décidé de créer ce livre, et c'est du pur contenu. Donc, toute la première partie, il t'explique vraiment de A à Z tous les théories, les grands principes, etc. Et puis, dans la deuxième partie, moi, c'est ce qui m'a vraiment encore plus plu, c'est qu'il a été cherché dans à peu près toutes les thématiques possibles. Et là, donc, tu as une espèce de liste. Donc, pour les coachs, les gens qui ont des franchises, pour ceux qui font du SEO, de la diète, du sport, si tu es consultant, si tu es dans la finance, si tu es musicien, si tu aimes la nourriture, l'astrologie, les dentistes, les compléments alimentaires, les masterminds, si tu as un service de MLM, une agence marketing, bref, ils ont été à peu près, je pense, dans toutes les niches, chercher les meilleures pages de capture qui existaient avec les meilleurs taux de conversion. Et ils les ont compilés à la fin. Donc, c'est 114 pages de capture qui ont été analysées. Et ça, c'est regroupé à la fin. Et donc là, typiquement, une page de capture analysée, on voit la page de capture et la thank you page. Et une décortique, qu'est-ce que c'est que l'accroche? Donc, l'accroche, c'est quelque chose d'hyper important sur n'importe quelle page web. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans la partie théorique. La story qui donne envie d'aller plus loin et quelle était l'offre. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait sur la thank you page.
Et ça, après, on a aussi des redirections pour chacune de ces pages, donc si on veut les voir en live. Mais ça, juste ça, ça vous permet de gagner énormément de temps. Tout simplement, c'est que vous allez trouver votre niche et vous allez pouvoir modeler. Funnel hacker, comme ils aiment bien utiliser comme mot chez ClickFunnels, c'est de ne pas réinventer la roue, mais d'aller voir ce qui marche chez les concurrents, nos amis, et de s'inspirer et non pas copier. Ça, c'est vraiment super important de comprendre, mais vraiment de modeler un peu les concepts de ta niche, de ce qui marche. Et l'avantage, c'est que là, ils ont pré-mâché le travail pour toi, donc tu vas gagner énormément de temps. Alors, c'est en anglais et ça, je pense que ça va poser quelques soucis pour certains d'entre vous. Alors, moi, je te dirais que c'est un PDF. Donc, l'avantage d'un PDF, c'est qu'il y a des services externes, des plugins, etc. qui peuvent t'aider à traduire. Tu peux même faire des copier-coller, etc. sans problème à l'intérieur du PDF. Mais moi, ce que je te conseille, c'est que, encore une fois, quand je te dis ça, je ne gagne pas plus d'argent. Il y a un bump quand tu es sur le bon de commande du produit. Alors, je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Donc, si on va tout en bas de cette page, « Yes, I want », on arrive tout en bas. Si vous cochez cette case, donc moi, c'est ce que j'ai fait, tout simplement, vous allez avoir le résumé complet de l'ensemble de tout ça en vidéo. Et donc, ça se passe par deux vidéos et ça dure à peu près plus de 2 heures de training. Donc là, tu as Russell Brunson qui explique un peu les concepts. Et aussi, en dessous, vraiment, il passe étape par étape chacun des tunnels qu'il y a dans le livre et il te les explique vraiment à l'oral. Et c'est vrai que pour certains, l'oral est beaucoup plus simple à comprendre, à assimiler, etc. Surtout qu'il y a un visuel en même temps que la personne parle. Et puis moi, ça me permet de gagner du temps parce que regarder une vidéo d'une heure, ça va beaucoup plus rapidement que lire 120 pages. Et aussi, si tu prends ce bump, il y a 30 tunnels de vente que tu pourras automatiquement ajouter dans ton espace membre. Et donc, forcément, 30 tunnels, sachant que la plupart des templates coûtent assez cher. Donc, il y a des templates complètement standards et puis il y a des vrais templates premium. Le gros avantage pour toi aussi, c'est que tu vas certainement trouver le template qui correspond à ta niche et tu vas gagner énormément de temps. Donc, est-ce que je pense sincèrement que tu devrais acheter ce livre? Je pense que oui, quand tu sais l'importance d'avoir une base de données d'email. Aussi, au moment de ce lancement, je ne sais pas combien de temps ça va durer, etc. Mais c'est 7$. 7$, c'est à peu près l'équivalent de 6€. Donc, c'est même pas le prix d'un Starbucks. Je pense honnêtement que c'est une super opportunité d'avoir les bonnes informations pour booster ton business beaucoup plus rapidement. Quoi qu'il en soit, je te le dis en toute transparence, je l'ai acheté, j'ai commencé à lire et j'en suis pleinement convaincu. Il y a plein de petits tips, plein d'informations, surtout dans la partie théorique que moi j'ai complètement adoré. Et ils expliquent aussi comment on peut gagner de l'argent directement quand on fait des leads, etc. etc. Il y a tout un tas de petits concepts. De temps en temps aussi, quand même, quand on a un certain niveau, c'est bien de retomber sur les bases pour déjà se les remémorer, pour se dire « Ah oui, ça, j'avais oublié de le faire ou j'avais fait l'impasse et comme ça, je réapplique. » Déjà, moi, j'ai commencé à appliquer des choses dedans et je pense qu'on va le faire avec tous mes clients parce qu'il y a vraiment des concepts fondamentaux à vraiment exploiter tout de suite pour optimiser tes efforts. C'est bien beau de vouloir optimiser par exemple ta présence sur les réseaux sociaux, etc. Mais optimiser ces tunnels et ces pages de capture, c'est essentiel pour le développement de ton business en ligne. Donc voilà, si tu as des questions, ça se passe en dessous. Et c'est ma présentation très rapide, mais il n'y a pas non plus grand chose à dire. Je ne vais pas te lire 174 pages, 172, excuse-moi, face caméra. Ça va être un peu chiant sinon pour toi. Sur ce, ciao ciao.